La tête est un curieux organe, curieusement organisé, y'a qu'à voir quand on vous trépane, généralement c'est malaisé. Voici l'histoire singulière d'un certain Mathurin Lafleur, dont le crâne assez ordinaire n'était bizarre qu'à l'intérieur. Ah non, c'est bon, c'est ça. Ce type souffrit dès sa jeunesse d'un mal en vérité courant, d'une mémoire assez traîtresse pour causer des désagréments. Sitôt qu'il apprenait une chose, dans sa famille ou au lycée, Mathurin Lamine Moreau, instantanément l'oubliait. Oui mais, alors comme il avait oublié, il se le rappelait en entier. Cette faculté trop rapide, loin de le faire en société, considéré comme stupide, lui donnait la priorité. J'ai rien compris. Oubliant d'oublier ses cours, Mathurin les retenait tous, et malgré son cerveau tout gourd devint agrégé sans secousse. Ah, là j'ai compris. Mais un jour qu'il pleuvait d'averse et qu'il courait vers le métro, butant contre un coureur adverse, il s'abattit comme un perdreau. Son crâne porta sur la pierre, avec un beau bruit musical, produisant dans sa cafetière un bouleversement fatal. Et désormais, en bête de ses souvenirs de toujours, il repartit place des fêtes, lui qui habitait à Cherbourg. Première à droite, deuxième à gauche. Mais en chemin des veines infâmes, un autobus qui s'emballa, sans souci de sa charge d'âme, devant Mathurin déboula. Déboula, juste là. Ayant oublié l'existence des autobus et du danger, notre héros, fleur d'innocence, donna dans le monstre enragé. Pas de bol, paf. Mourant sous les roues carnassières, dans son crâne vague il sentit une distorsion étrangère, avant de connaître l'oubli. Et puis, et puis, il oublia d'oublier, d'oublier qu'il devait oublier ce qu'il oubliait. De se rappeler quoi ?